Salut, moi c'est Mawem Michael. Je suis un des frères Mawem. Je suis le plus petit. Je fais de l'escalade à haut niveau. Je suis en équipe de France depuis un peu plus de 8-9 ans. Et voilà, donc ma vie c'est l'escalade. Et c'est venu grâce à mon frère déjà. Il allait essayer, il a adoré ça. Et quelques mois après, il m'a amené. Et moi, mon grand frère qui me dit viens faire des sports avec moi, viens faire un truc avec moi. J'avais 11 ans, il en avait 10 de plus. Donc il allait sur ses 17. Il me dit viens faire un truc avec moi, ben, bien sûr, allez j'y vais. Et donc je suis allé et j'ai adoré. Moi je suis un spécialiste de bloc. En escalade, on a trois disciplines, le bloc, la difficulté, la vitesse. Bon, moi j'adore le bloc en fait tout simplement parce que c'est très très convivial, très familial. C'est-à-dire que quand tu rentres dans une salle de bloc, tu rentres dans une petite famille. En fait tu grimpes tout seul, mais dès que tu es sur le tapis, tu as quelqu'un à ta droite, à ta gauche, plus fort, moins fort, tu peux parler. Mais en fin de compte, quand tu te retrouves sur le mur, t'es challengé seul face à toi-même et à tes choix. Et c'est ça qui me plaît énormément dans l'escalade de bloc. J'ai eu la chance provoquée hein, bien sûr, mais d'aller à Tokyo avec mon frère. Il y avait deux places françaises à prendre à l'international. On a réussi à les prendre, c'était presque improbable, mais on a réussi à le faire. On se fait un peu vieux, je t'avoue qu'on se fait un peu vieux dans la discipline, chez nous, dans notre sport. Ça fait longtemps qu'on est en équipe de France. Déjà en 2017, on a appris que l'escalade rentrait aux Jeux Olympiques. C'est ce qui nous a dit, ben ok, il faut qu'on aille essayer d'aller se qualifier, essayer d'aller chercher quelque chose aux Jeux Olympiques. C'est quand même unique dans une carrière. Paris, c'est quelque chose, ben, c'est chez nous, c'est en France, c'est près de nos proches, près de nos partenaires, près de toutes les personnes qui nous suivent et depuis toutes ces années. On voulait le partager avec nos familles à Tokyo, avec le Covid, on n'a pas pu. À Paris, on a vraiment l'occasion de pouvoir représenter toutes les personnes qui nous ont aidés jusqu'à là. On va dire finir notre carrière de sportif de haut niveau sur ces Jeux Olympiques. Voilà, donc aller à Paris, ça va être important. Bon, bien sûr, étape par étape, parce qu'avant de jouer la médaille à Paris, ben, il va falloir se qualifier. Avant les Jeux Olympiques, j'allais à une compétition, tout simplement. Et en fin de compte, plus je me rapprochais des Jeux Olympiques, plus j'ai ressenti mon envie d'y aller, mais plus j'ai ressenti l'envie autour de moi. J'ai senti voilà, mes proches, des gens moins proches, des gens qui me suivent sur les réseaux. Quand je suis arrivé à Tokyo, mais vraiment au village olympique, je me suis rendu compte un peu de l'envergure de la compétition, le nombre de personnes qu'il y a autour de moi, le nombre d'athlètes qu'il y a dans un seul endroit. Et tu te rends compte que tu as les meilleurs de chaque discipline, de chaque pays autour de toi. Et les Jeux Olympiques, c'est un retour sur investissement d'un investissement à l'entraînement depuis des années avec mon frère. Et là, c'est juste, on se dit, enfin, là, enfin, on a notre place. Quand on parle des compétitions nationales, des championnats du monde ou autres, oui, c'est des compétitions importantes, mais tu penses qu'aux Jeux Olympiques, tu penses qu'au prochain. Être en équipe, on est toujours plus fort, on le dit souvent, parce qu'on va pouvoir apprendre de chacun. Et je pense qu'il va y avoir plein de sportifs différents, plein de manières de s'entraîner, plein d'expériences différentes. Et je pense qu'il n'y a que à apprendre d'une équipe. C'est sûr que ça pousse tout le monde vers le haut. Et le fait d'avoir de la diversité, et ça c'est important dans une équipe comme l'équipe que Decathlon est en train de former. Il y a les frères Mawem qui vont discuter avec d'autres athlètes. Et les tips qu'ils vont pouvoir nous donner, les tips qu'on va pouvoir leur donner, ça va nous permettre voilà, d'évoluer tous, chacun dans notre sport. Decathlon nous donne les moyens, donc ils nous créent une équipe, nous donnent les moyens, et après c'est à nous d'aller les chercher et de créer une émulation, d'aller créer des choses aussi entre nous en tant qu'athlètes pour pouvoir se pousser vers le haut et tous progresser et ramener un match d'athlètes Decat au jeu et après aller chercher des médailles. Ouais. Mais en tout cas, de grandes aventures vont commencer avec Decat et avec ce projet olympique de Paris 2024. Avec le frangin, on a envie d'aller sur des projets hors normes. Et c'est que ça qui nous botte, c'est que ça qui nous motive. Et ouais, être accompagné là, de Decat et de créer toute cette bulle extrême de sportifs de haut niveau dans tous les sports. Voilà, c'est un gros projet, un gros challenge, que ce soit pour nous, pour les Jeux Olympiques, pour eux aussi. Donc, courage à tout le monde et on y va après.